Salut les gens, c'est TrackSurvie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur FIFA 22. Donc, on va regarder le trailer. Il est sorti il y a 2 semaines. Donc, on va regarder un peu tout ça. Donc, ça doit être les nouveautés, un peu tout ça. Donc, c'est un trailer qui dure pas longtemps. Mais voilà, je vous avais promis qu'on ferait un trailer sur FIFA. Alors, je suis pas très FIFA. Je verrai si, voilà, si un de ces quatre, je m'attache au jeu de foot, mais moi je trouve ça un peu débile de faire un jeu où on tape dans un ballon et il y a pas de but quoi, clairement il y a pas de but au niveau des jeux comme ça. Après c'est mon opinion, chacun ses opinions clairement, mais voilà, je vous avais promis un FIFA, je vais vous le faire. Donc je vais me muter, je vais couper ma caméra et on se retrouve juste après. Bon, moi ce que j'en pense, bon, jamais été vraiment fan de foot ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petites choses qui ont été améliorées au fil des années. C'est sûr que maintenant, quand on regarde FIFA, on voit autre chose quand même, c'est sûr et certain. À l'époque, on voyait les joueurs pas très correctement. Que maintenant, ben, quand vous avez un joueur. Rien que là, maintenant, comme vous le voyez, on voit vraiment que c'est le joueur à proprement parler. Et c'est vrai que c'est classe, quoi. C'est vraiment très classe de leur part de pouvoir intégrer vraiment le profil du joueur. Mais c'est vrai qu'après ça, le truc, c'est que... Ben, c'est vrai que les gens croient que machin. Alors après, c'est vrai que vous pouvez vous faire votre petite ligue, machin. C'est vrai que... Pour, vous pouvez retenter des choses, mais c'est vrai qu'on pourra jamais faire certaines choses que eux les joueurs font. Donc c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'avec la technologie qu'on a, avec les ordinateurs et les trucs comme ça, c'est vrai que c'est classe. Après moi je peux pas vous dire voilà, c'est nul ou quoi que ce soit, parce que je m'intéresse pas plus que ça au jeu, au football non plus, parce que clairement voilà. Et ça, c'est vraiment peut-être dommage, mais je préfère encore le rugby ou un match de basket que qu'un match de foot, quoi, clairement, sans être méchant avec les joueurs ou quoi que ce soit. Avec tout ce qui se déroule sur le terrain, entre les insultes, les machins, clairement, t'as l'impression en fait que certaines fois, t'as l'impression que c'est eux qui font le match de rugby, qui sont en match de rugby tellement qu'ils s'accrochent et que ça devient n'importe quoi. Donc c'est pour ça, un jeu c'est un jeu, il n'y aura jamais de grosses fautes, d'insultes ou quoi que ce soit, à part entre vous par exemple, si vous êtes entre amis et puis que vous jouez, vous pouvez vous dire des gros mots, mais ça sera jamais et jamais le cas entre joueurs de console
et qui seront mélangés, quoi. Donc ça, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'intégration au niveau de ça. Mais c'est vrai que après, moi, je peux pas juger ou quoi que ce soit tant que ça. Donc voilà. Passez une bonne journée. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça sera le dernier trailer pour le moment, parce qu'il n'y a pas vraiment de trailer qui sort en ce moment. À part si vous voulez que je vous fasse des trailers de films. Mais bon, avec les droits d'auteur, j'ai un peu peur que voilà. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Rien à secouer, mais bon, c'est YouTube. Mais voilà, passez une bonne journée. Et on se dit à la prochaine, les gens. À demain, et puis à ce soir pour le live. À demain pour la vidéo sur Minecraft. Et peace, les gens.